Bonsoir. Il devient de plus en plus difficile d'énumérer des scandales au Cameroun, tellement la chronique nous en met plein la vue. Dans ce florilège d'éventail, Viviane Ondoa-Biolay choisit 11 scandales par mois pour en faire une analyse et qui sait peut-être se servir des conclusions pour en provenir d'autres. Cet exercice intellectuel, elle le fait à travers un ouvrage. Scandale, élément de casuistique pour une viabilité organisationnelle au Cameroun. L'auteur ne met pas des gants pour évoquer des faits qu'on va ensemble parcourir les uns après les autres dans cette émission. Ces scandales sont entre autres le retrait de la CAN Total 2019 au Cameroun, l'affaire Bonny-Philippe contre Samuel Eto'o, la débâcle des Lions au Mondial 2014, la gouvernance à la Sodecoton, l'élection des délégués du personnel à la Caisse nationale de prévention sociale, les logements sociaux, l'affaire Bapes-Bapes et la cascade des décès des personnalités publiques dans les prisons, la nomination du directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun, le concours d'entrée à l'IRIC, les élections à la SOCAM. Sorti le 30 mai 2019, l'ouvrage publié aux éditions Clé a été dédicacé le 6 juin à Yaoundé. L'auteur, une dame à la tête bien faite et très pleine, on peut le dire, c'est d'ailleurs peu de le dire, l'auteur disait est également une femme forte, ferme, rigoureuse, ambitieuse et très déterminée. Viviane Ondoa-Biolay vient d'achever donc un périple qui a duré 9 ans au poste de directeur général adjoint à l'Institut supérieur de management public, une entreprise dans laquelle elle a fait 20 ans. Enseignante-chercheure, elle fait de la consultation. Ses compétences s'étendent aussi bien dans la gestion des structures académiques et administratives que ce qui lui a d'ailleurs valu pas mal de sollicitations de la part des grandes organisations non gouvernementales, les grosses structures, notamment la Banque mondiale, le PNUD, l'Union africaine, entre autres. À noter, mon hôte de ce soir, puisqu'elle est déjà installée dans le fauteuil rouge, a été inspecteur général du ministère de la fonction publique. Ce soir, le professeur Viviane Ondoa-Biolay nous fait donc l'honneur d'être là pour parler de cet ouvrage. Bonsoir, prof. Bonsoir, député Tongo, et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Mais au-delà de l'ouvrage, il est évident qu'on va en profiter pour parcourir avec vous des faits qui ont marqué l'actualité, dont la mémoire, évidemment, nous en rappelle certainement peut-être des tristesses, mais on veut en tirer des leçons. Je n'ai pas voulu être gourmand avec votre présentation, parce qu'il s'écrit en des tomes. Vous exagérez un peu. J'aurais néanmoins pu ajouter que vous êtes également professeur associé au programme de leadership et gestion pour le programme élargi de vaccination dispensé par Yale University aux États-Unis et la faculté de médecine de l'Université de Yaoundé 1 pour 30 participants de PAT francophones au sud du Sahara. Tout à fait. Ça consiste en quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une formation en leadership et management. D'accord. À l'adresse justement des responsables des programmes de vaccination de 6 pays, des pays africains, disons des pays francophones au sud du Sahara. Et il est question de leurs capacités justement en management et en leadership. Et dans le cadre de ce programme, je donne deux cours, le cours de leadership et puis le cours de gestion des ressources humaines. D'accord. Promotrice du cabinet de formation et de recherche en management au BIF, solution. Oui. Là également, ça, depuis 2012. Ça rentre dans le même cadre. Hein. Tout à fait. C'est le même fil conducteur. C'est toujours la formation, la recherche et puis la consultation. Oh, d'accord. Alors, je ne trahis aucun secret en disant également que vous aviez une maîtrise et un DE à l'Université de Yaoundé 2. Soit en 95 et 96. En 2004, c'est à l'Université de Ngaoundé que vous obtenez une thèse en entrepreneuriat. Et Scandale n'est pas votre premier livre. Non, pas du tout. On peut citer. Le cinquième. D'accord. Vous avez également écrit sur l'économie, hein, la PME camerounaise et le développement durable, défis, fondements et stratégies. Ça a été séparé aux éditions Clé en 2012. On pourrait également citer Au secours, je suis patron. Tout à fait. C'est la femme qui parle ou c'est le patron, avec grand P? Avec grand P, bien entendu. Alors, quelles peuvent être les inquiétudes des patrons, nous autres, qui ne sont pas patrons à ce niveau de... Contrairement à ce qu'on croit, passer justement les yu-yu et toute la phase des festivités, lorsque vous vous retrouvez seul dans votre bureau, vous commencez à vous poser les vraies questions. Que faire, avec qui, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est attendu de moi? Et tout de suite, moi, ce que j'ai remarqué, pour l'avoir vécu déjà soi-même, parce que...
pour avoir le privilège de bénéficier de certaines nominations et surtout pour avoir vécu auprès de ceux qui ont été nommés, on se rend quand même compte que les premiers jours sont des jours d'angoisse. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est que quand nous sommes à l'extérieur, on voit quand même un patron sur un piédestal. Absolument. Et pourtant, c'est quelqu'un de très inquiet qui hérite. Qui donne toujours l'impression d'être serein, quelles que soient les circonstances. Ça dépend de comment vous le voyez. Dans tous les cas, si vous le voyez avec le regard du gestionnaire, vous comprenez très bien qu'il est suffisamment inquiet, il hérite d'un mandat. Quand c'est dans l'administration publique, c'est dans le cadre de la continuité de service. Donc parfois, vous êtes nommé, vous trouvez des paraffins, parfois dans un domaine que vous découvrez à peine, et peut-être il faut parfois prendre des décisions tout de suite et maintenant. Je n'ai pas envie de prendre le cas d'autres gestionnaires qu'on observe ici. Et là, si on prend le cas de la Sonara, le DG vient juste d'être nommé. Ah, absolument. Donc vous arrivez dans une entreprise, vous devez faire le point, vous devez. Donc la question était de savoir, pour ne pas perdre complètement la boussole, est-ce qu'on pourrait avoir un petit processus qui permet de savoir comment commencer, par où commencer? Là, il s'agit en fait d'un outil didactique qui s'intéresse au métier du gestionnaire, parce que tout au long justement de mes publications, c'est toujours la personne du gestionnaire, que ce soit au niveau de la PME, que ce soit au niveau de l'entreprise publique, d'accord, qui constitue la focalisation des analyses. Au secours, je suis patron, donc paru en 2014, également aux éditions Clé. Alors, la première partie de l'exercice, en général, dans cette émission, consiste évidemment à la présentation de l'invité, oui, pour mieux comprendre son parcours. Toute jeune, quel genre d'enfant étiez-vous? Bouquin, je veux dire que quand on regarde votre parcours, on imagine bien que ça a dû être l'issue de beaucoup de sacrifices en faveur de l'école, si je peux le dire aussi facilement. Dans tous les cas, j'ai bénéficié, comme tous les autres enfants, de l'encadrement des parents qui sont donnés à mon éducation. Ce qu'il faut peut-être dire, et qu'il soit, je pourrais dire, un accident de parcours, c'est que j'ai été orpheline un peu tôt, orpheline de papa à 11 ans, ce qui donnait la latitude justement à maman de continuer le parcours également de l'encadrement. Et si j'insiste là-dessus, c'est simplement pour indiquer en quoi le service public peut être utile. Parce que si je vois cette expérience-là, maman a été accompagnée par les affaires sociales, parce que Marie a 14 ans, comme à l'époque toutes les jeunes filles. Elle fait son premier enfant à 16 ans, et puis 9 ans après, il faut se prendre en main. Elle a été accompagnée par le ministère des Affaires sociales. Il faut dire, pour la petite histoire, c'est que c'est même très récemment que j'ai su que le ministre Tchanga Delphi n'était pas ma tante, parce qu'elle l'a accompagnée, je l'ai vue à ses côtés jusqu'à sa mort en 2009. Et c'est après qu'on m'aura expliqué que non, elle était simplement un haut fonctionnaire qui accompagnait les femmes. Les femmes à l'époque qui avaient besoin d'aide pour être autonomes. Donc grâce à elle, maman a pu trouver un emploi. Grâce à elle, elle a pu avoir un terrain, les terrains communaux de la communauté urbaine. Grâce à elle, elle a pu avoir un crédit au crédit foncier. Donc, ce qu'on voudrait peut-être dire en insistant sur ce parcours et cet encadrement, c'est que le service public, et notamment celui-là, a été d'un intérêt et d'un appui important pour ce que je suis. À l'époque, vous viviez où, à Yaoundé, je veux dire? Alors, pardon. Je veux dire, pour ceux qui apprécient, ouais, de l'assistance sociale, c'est dans quelle ville? À Yaoundé, d'accord. À Yaoundé, sinon avant que papa ne décède, effectivement, bien entendu, comme fonctionnait. Moi, je suis né à Banjoun. Vous imaginez bien, je suis né à Banjoun. Ensuite, nous sommes allés à Douala. Ses camarades d'armes, s'il avait vécu, il aurait eu l'âge du général Semengue, du général Angouane. Ce sont effectivement ses partenaires. Donc, après son décès, maman nous prend en charge. Et effectivement, pour revenir à l'encadrement, elle reprend le flambeau. Je présume donc que votre parcours primaire et secondaire, c'était celui d'une fille de fonctionnaire à travers différentes régions, différentes écoles. Surtout primaire, okay, parce que papa décède, je suis au Koumoine 2. Donc tout le circuit primaire, on a fait le tour de quelques villes à l'ouest, au littoral, et puis par la suite à Yaoundé, parce qu'il décède lorsqu'il logissait à Tchinga, parce qu'il y avait à l'époque à l'immeuble Kwam, qui était l'immeuble qui logeait les militaires. Okay. Donc de ce point de vue, nous avons le privilège de côtoyer également d'autres cultures, et après maman hérite de nous, mais comme je vous disais, elle a été accompagnée et... Ensuite, j'ai également reçu l'encadrement, il faut le dire, de la famille, de mes tantes, d'un deuxième papa que je profite d'ailleurs pour remercier ici. Donc, je n'ai pas vraiment été handicapée de ce point de vue-là. J'ai été bien entourée, je peux le dire ainsi. Alors, je vais le dire comme ça. Votre style caractériel sur le plan intellectuel, c'est quoi? C'est le fruit de cette éducation de fille de militaire? Je suis fille de militaire et je pense que très tôt,
S'il y a des choses qui m'ont été inculquées, c'est la discipline, c'est le respect de la loi, c'est la fermeté, c'est à la limite. Si vous connaissez un peu le secteur militaire, c'est un secteur où je n'ai pas envie de dire qu'il n'existe pas de subjectivité, mais il y a beaucoup d'encadrement, il y a beaucoup de respect de la hiérarchie, il y a beaucoup de respect des normes, et puis il y a de la discipline de manière globale. J'ai eu la chance, je ne sais pas quand vous parlez de caractère, j'ai suivi la présentation tout à l'heure, il y a certains traits de caractère, je pense, que j'ai effectivement hérité de ce milieu-là. D'accord. L'université au Cameroun ? Uniquement, je fais toutes mes études au Cameroun. Je suis pas là ailleurs, juste pour préparer. Donc vous êtes un véritable fruit. Moi, je suis de l'enseignement. De l'enseignement supérieur, de l'enseignement privé camerounais. J'ai eu tous les grands enseignants que nous admirons aujourd'hui. Voilà. C'est grâce à eux que j'ai pu faire des études. Je suis juste partie à l'Université de Bordeaux, au laboratoire de l'Université de Bordeaux, 4 pour préparer ma thèse. Donc j'y allais juste pour des séjours d'un mois, un mois et demi. Mais vraiment, j'ai fait toutes mes études ici. J'ai obtenu tous mes diplômes à l'Université de Yaoundé 2. Et puis j'ai soutenu ma thèse à l'Université de Ngaoundéré. Et s'ouvre la fonction publique. Pardon ? Et s'ouvre la fonction publique. Voilà, j'ai été recrutée en 1998, il faut le dire. À l'époque, le ministre Atan Mbara venait de prendre une décision, un acte, qui visait justement à recruter les jeunes étudiants qui avaient une mention, au-delà de la mention, assez bien, et qui étaient dans le domaine de la gestion, parce qu'à l'époque, le seul professeur agrégé de gestion qu'on avait, c'était le professeur Kombo, paix à son âme, qui fut mon directeur de thèse. Et nous, j'ai été recrutée à la suite de cette disposition-là, en 1998. Malheureusement ou heureusement, l'Institut supérieur de management public lance son concours en 1999, un concours spécifiquement féminin. Et pour postuler, il fallait être déjà un agent de l'État et ensuite avoir un diplôme au moins de bac plus 5. Et c'est comme ça que je postule. Et c'est la raison pour laquelle je vais suivre deux parcours parallèles, un parcours à l'ISMP et puis un parcours à l'université, parce que le statut de l'enseignement supérieur a également des encadrements qu'il fallait respecter. Donc, à la base, je suis un agent de l'enseignement supérieur, un ancien de l'enseignement supérieur. Et par la suite, je vais donc faire 20 ans. Donc de 1999 à 2019, je serai à l'ISMP, d'abord comme professeur consultant stagiaire. Bien entendu, nous sommes allés au Canada pour une formation à l'ENAP de Québec, qui était partenaire technique de l'ISMP. Et ensuite, je reviens continuer la formation. Ici, en 2001, je passe professeur consultant. Et c'est à partir de 2001 que je commence à faire la thèse. En 2004, je soutiens la thèse. Et 2006, j'obtiens un postdoc. C'est une bourse de l'Agence universitaire de la francophonie qui me permet de faire justement un an à l'extérieur et pour préparer justement l'apprentissage à la publication des articles, des ouvrages, etc. Donc, quand je reviens en 2007, je suis nommé inspecteur numéro 1 au ministère de la fonction publique, en 2009 inspecteur général, et puis en 2010 directeur général adjoint de l'ISM. Vous direz que vous avez eu un parcours de fonctionnaire normal dans son évolution, en termes de promotion, en termes d'avancement, en termes de... Normal, je ne sais pas. Lorsque vous êtes recruté à l'université, ce que le plan de carrière prévoit, c'est que vous passez d'assistant à chargé de cours, ensuite Absolument. Maître de conférence et puis professeur. Voilà ce qui est prévu. Et vous allez constater que nous sommes nombreux à être des professeurs d'université, à avoir des parcours également différents. Donc, j'ai eu le mien, peut-être au regard des opportunités qui m'ont été offertes, parce qu'arrivé à l'ISMP en 1999, l'Institut supérieur de management public est une institution placée sous la tutelle du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc il y a une sorte de je peux me dire, relation tutélaire entre les deux, qui fait en sorte que peut-être aller au ministère de la fonction publique est plus facile, déjà parce que je suis connu du milieu, je travaille dans le secteur. Donc, cette rencontre avec l'ISMP va certainement légitimer ou justifier ma présence au ministère et ensuite mon retour à l'ISMP. Et alors, maintenant, je suis reparti à la case départ. Donc, je suis à l'université. À l'université. Et vous dispensez des cours. Parlant de l'ISMP, quand vous y jetez un regard, peut-être sous forme de bilan, vous vous dites vous aurez encore pu donner si vous aviez un peu plus de temps. J'ai donné tout ce que j'avais à donner et j'ai pas de regrets. D'accord. Et de ce point de vue, j'ai pas vraiment de regrets. Lorsque vous êtes haut responsable, c'est ce que moi je pense, hein. Et surtout lorsque vous êtes en appui, disons au conseil, ce qui vous est demandé, c'est de donner des conseils, c'est de faire des notes, c'est de proposer des choses. Et je pense que je l'ai fait pendant 9 ans. Et au-delà de ça, dans le secteur qui était le mien, je pense également maintenant avec
certainement des succès et des insuccès. Ça, il faut le reconnaître. C'est un parcours, effectivement, qui n'est pas forcément lisse. Mais s'il fallait recommencer, je crois que j'ai tout donné. J'ai donné ce que j'avais à donner. En ce qui concerne le temps, en ce qui concerne l'investissement intellectuel, en ce qui concerne la présence physique. Maintenant, est-ce que les résultats obtenus sont à la hauteur de ce qu'on aurait espéré? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses à corriger. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Mais ça fait partie de la vraie vie également. Rien n'est totalement parfait. Mais je crois avoir donné le meilleur de moi-même. Je ne vous apprends rien, même si votre départ est arrivé dans un contexte un peu, j'ai peut-être dit controversé, même si j'aurais bien voulu dire autre chose, grande incompréhension, mais je préfère dire controversé. Bon, je rappelle un peu le contexte. D'accord. Vous faites une publication qui semble donner l'impression que vous en appelez à la candidature de la première dame, Chantal Biya, dans un environnement où on a l'impression que, du moins, certains partis de l'opposition disent « Biya, un nouveau candidat, c'est beaucoup à cet âge-là ». Et vous dites « Pourquoi pas une femme ?» C'est trop facile, hein? Sauf s'il faut simplement se concentrer sur le contexte. Moi, je fais des publications le 8 mars, autour du 8 mars, qu'il s'agisse des conférences ou des publications sur ma page Facebook. Je fais toujours une publication un peu à caractère féministe, un peu des publications engagées et engageantes. Pour l'occasion, il faut le dire ainsi, j'avoue que sans avoir peut-être pensé au contexte, il était question justement de faire une analyse des femmes qui sont présidentes ailleurs, voir leur profil et poser la question de savoir. Et le titre était simple, hein? Enfin, de mon point de vue, une femme pourrait succéder à Paul Biya. C'était ça le titre. Succéder, c'est-à-dire venir après. Non, absolument. Bon. Mais je ne pense pas que ce soit lié à ça, puisque mon départ à l'ISMP ne saurait être une surprise, peut-être pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, les dossiers de la République ne se traitent pas dans les réseaux sociaux et dans les médias. Ça, c'est sûr. Donc, au moins, mes patrons hiérarchiques... On a souvent l'impression que les réseaux sociaux et les médias n'en sont pas non plus éloignés. Oui, enfin, vous en faites aussi quand même un peu trop, parce que ceux qui sont au moins mes patrons savaient que j'allais partir, puisque j'avais, je l'avais dit à mon directeur général, qui est mon chef hiérarchique, qui savait un an avant. Au regard de la loi, j'avais manifesté le besoin d'être conforme, déjà parce que c'était normal, mais en plus, c'était un choix. Donc pour lui, c'était pas une surprise. La preuve, c'est que j'ai rédigé l'aide. Il a lu le brouillon. Il m'a d'ailleurs aidé à corriger. Donc bref, c'était une surprise, je pense, pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais maintenant, est-ce que c'était controversé? Je ne sais pas comment les DG parlent, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose à préciser. Je pense qu'il est bon de resacraliser la fonction des hauts responsables. C'est-à-dire? Chaque fois qu'un haut responsable s'en va, que ce soit dans les médias, que ce soit même parfois dans les discours d'installation, on a l'impression que la personne est quelque peu jetée comme un brouillon. Non! Même après un an seulement, c'est un sacrifice énorme. Et je pense que à ce moment, il faut plutôt magnifier son action pour ce qui a été bien fait. Mais très souvent, on lit les titres, on l'a limogé, interdit de sortir. C'est devenu, non, moi je pense que... Et là, j'interroge le journaliste. Vous vous dites que cette perception, d'où vient-elle? Vous savez également qu'on est dans un environnement où tout est... Je veux dire, l'opinion a l'impression que tout est réseau. L'arrivée ou le départ d'un directeur général n'interroge pas davantage son bilan intrinsèque. Mais voilà, la fierté qu'on a de le voir partir, absolument. À la limite de le voir souffrir, absolument. Et parfois s'entretenir comme tel, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que le travail d'un gestionnaire, on aura peut-être le temps d'en parler. Non seulement c'est un travail collaboratif, mais aussi c'est un travail difficile. Très souvent, on ne se préoccupe même pas de la santé du gestionnaire, on ne se préoccupe même pas de ses sacrifices. Je ne dis pas qu'il y a des gestionnaires qui ne méritent pas de partir, on mérite tous de partir, parce que la fonction publique n'est pas privatisée. Nous sommes là, tous de passage, vraiment tous. Et de ce point de vue-là, lorsque vous recevez un bail, vous avez des choses à faire. Et lorsque vous repartez, il y a des choses que vous avez bien fait. Ça, il faut le magnifier. Des choses que vous avez moins bien fait. On peut tirer des leçons pour celui qui va vous remplacer. Mais une telle invective, parce que quand on voit ce qui s'est passé, j'ai suivi le remplacement, par exemple, des jeux de la Cameco. Absolument. Je me souviens quand il arrivait. Je pense encore quand il allait, je dis, mais attendez, on a besoin d'un peu de dignité quand même. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que les médias ne nous aident pas beaucoup. Moi, j'ai suivi également tout ce qui a été dit après votre départ. J'étais parfois amusée, parfois un peu triste, mais c'était tout sauf... pour certains, il y avait de la compassion, pour d'autres, même de la pitié, pour d'autres, de l'invective. Bon, c'est peut-être le contexte de règlement de compte, de haine. Je me souviens d'un post sur ma page Facebook, quand j'ai fait l'affiche qui annonçait votre venue ce soir, d'un internaute
qui se demandaient, Viviane, on doit écrire aujourd'hui parce qu'elle a été limogée ou alors... J'ai vu ce poste. Voilà. J'ai vu ce... Bon, je veux dire, les gens sont libres aussi d'avoir, de penser, de okay. penser ce qu'ils veulent penser. Moi, j'ai rien contre. Est-ce que cette mauvaise perception ne vient-elle pas du fait également que vous, les managers, vous, les directeurs, les responsables, de façon générale, ne communiquez pas énormément autour d'abord de vos responsabilités, de vos objectifs et puis après de votre bilan. Je pense qu'il y a un souci. Bon, il y a ça, il y a certainement ça. Il y a aussi qu'on ne se met peut-être pas toujours dans la position de ceux qui sont au service. D'accord. Les gens ont toujours l'impression que être directeur général, c'est d'abord un poste de privilège. C'est vrai qu'il y a quelques privilèges, on ne peut pas s'en cacher, mais derrière ces privilèges-là, en fait, il y a beaucoup de travail et surtout, il y a beaucoup de résultats à apporter. Et de ce point de vue, peut-être qu'on n'insiste pas beaucoup sur le travail qu'on fait ou alors que les gens ont l'impression que c'est davantage des positions de rente et à ce moment, ça devient... Et non, pas aussi parfois totalement tort. Tout dépend de comment est-ce que nous, on s'offre également en termes de résultats. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à corriger de ce point de vue. Une entreprise a besoin d'avoir un chef, a besoin d'avoir des collaborateurs. Et lorsque nous sommes à la tête d'une entreprise, on n'est pas seul à travailler. Et donc, je pense que... Évidemment, vous êtes toujours dans la réserve de la République. Enfin, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Je sais pas ce que ça veut dire être à la réserve. Je sais que c'est les militaires. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en ce qui concerne les fonctionnaires. Prenons ça comme une image. Oui, je suis fonctionnaire. Mais ce qu'il faut retenir, moi, j'ai l'impression que ce qu'on voudrait absolument faire comprendre aux gestionnaires, ceux qui sont soit en poste, soit partis, c'est qu'il faut toujours être en attente. Non. Moi, je pense que nous sommes déjà, en tant que fonctionnaires, à des postes. Quand vous êtes enseignant d'université, vous avez un ensemble de choses à faire. Et nous sommes dans une fonction publique de carrière. Donc, chacun d'entre nous a un plan de carrière prévu dans le statut. Lorsque vous avez été nommé, vous avez eu des signes précurseurs qui vous disaient... Bon, j'ai eu 3 nominations. Non, je veux dire pour... DGA. Ah non. Je crois que c'est même l'une des nominations qui m'est le plus perturbée. Parce que je venais d'être nommée, ça faisait juste 10 mois que j'étais inspecteur général. Donc, quand vous arrivez, vous avez l'impression que vous allez faire au moins 1 an. Si ce n'est 2, si ce n'est 3. Dans tous les cas, moi, j'apprends ma nomination quand je sors du bureau à 20h. Je suis d'ailleurs avec mes collaborateurs. Je sors et je suis la nomination à la radio, comme tout le monde. Le premier réflexe, c'était de dire, j'ai commis une erreur. Est-ce que c'est une nomination? Est-ce que c'est une promotion? Parce que c'est souvent ça. Absolument. Parce que si c'est une promotion, vous avez dit, vous avez bien travaillé, vous avez trouvé des raisons d'être fier. Si ce n'est pas une promotion, vous avez commencé à vous poser des questions. Et puis... Passer d'inspecteur général à directeur général, j'appelle mon ministre, je dis, monsieur le ministre, je ne comprends pas, qu'est-ce que je vous ai fait? Bon, c'était vraiment une surprise, et puis lui, bon, il était un peu amusé. Je ne sais pas si lui, il était au courant, toujours est-il que moi, pas du tout. Pas du tout, que ce soit... La meilleure approche serait laquelle? De consulter peut-être d'abord les concernés avant de les nommer, ou alors, comme ça se fait en ce moment? Enfin, la meilleure approche, de mon point de vue, c'est d'être préparé. Moi, je pense qu'il y a quand même, c'est pour ça que ce coup, je suis patron, a été pour moi un ouvrage également qui m'interpellait. C'est que lorsque vous êtes appelé à une charge importante, je pense qu'il faut être tout préparé. Dans certaines organisations ailleurs, si je prends le poste par exemple d'adjoint, il y a 2 conditions dans lesquelles on peut nommer un directeur général adjoint. La première condition, c'est que vous apportez effectivement un appui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines structures très techniques, vous êtes un peu comme le secrétaire général du ministère. La deuxième condition également, c'est qu'on vous prépare à être directeur général. Et de ce point de vue, il y a quand même un dispositif qui est mis en place pour qu'au moment d'accéder à la fonction, que vous ayez des outils. Parce que la question qu'on peut se poser est de savoir comment est-ce qu'on fabrique nos gestionnaires. Parce que si on les fabrique par surprise, absolument. S'il faut simplement, et je ne dis pas que ce sont de mauvaises surprises, mais elles peuvent s'avérer également difficiles pour le titulaire. Je pense qu'une promotion à un moment donné peut s'avérer être difficile et parfois un échec. Si justement, vous n'êtes pas sans ignorer que la perception que les gens ont souvent, c'est le fait de nommer, par exemple, des fonctionnaires à des postes de management pour des structures techniques, Cameco, par exemple, ou alors... Mais il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religion à cela. Moi, c'est bien de voir l'organisation comme je vous disais tout à l'heure, un cerveau collaboratif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une intelligence dans le choix des personnes qui permettent que le résultat soit atteint. Et de ce point de vue-là, il y a souvent plusieurs équations possibles en fonction des compétences disponibles. Parce qu'il faut dire que il y a la compétence, c'est vrai, il y a également un ensemble de contraintes lorsqu'on est responsable. Mais croire que parce qu'on est directeur général,
nous avons l'obligation de tout savoir, de tout connaître, ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas du métier, vous serez certainement de la coordination. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'autres personnes. Le métier de gestionnaire est un métier essentiellement collaboratif. Et de ce point de vue, il y a vous, c'est vrai, on peut se questionner sur le profil qui est le vôtre. Dans certains métiers, c'est très pointu, mais je pense qu'il y a également une organisation dans différents secteurs. Il y a des secteurs très pointus comme l'aéronautique, où il y a certainement des choses qui sont normées, comme la médecine également. Et il est bon, au moment de désigner la personne, qu'on soit seulement conforme à ce qui est prévu dans le secteur. Comment percevez-vous la réaction de l'opinion depuis la sortie de votre dernier livre, le 30 mai dernier? Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup fait attention au feedback, parce que pour ne pas être perturbé, je n'ai pas fait attention, mais quand même à la dédicace, il y a eu un premier échange. Déjà, il faut dire qu'il y a eu plusieurs séquences. Lorsqu'on a mis en place le projet éditorial, il y a eu un débat sur le titre, ensuite un débat sur la communication autour du titre. On a commencé par un spot qui a fait peur un peu, visiblement. Absolument. Ça, au moins, j'ai eu des feedbacks. Absolument. Mais je crois qu'après, les gens ont compris très bien qu'il s'agissait d'un outil didactique. Je ne sais pas maintenant comment il est perçu. Ça fait juste du 30 ans maintenant, ça fait 10 jours. Je pense qu'il est un peu tôt parce que je suis un peu préoccupé par la promotion. Mais j'ai eu l'éditeur quand même qui me dit que l'ouvrage, lui, il se comporte bien. C'est-à-dire, les gens semblent intéressés à lui. Un peu plus de 200 pages, hein? 224 pages, exactement. D'accord. On va peut-être commencer par... on a parlé de la couverture, ce fond noir. Scandale écrit en rouge, rouge sang. C'est pas des choix anodins. Après le débat, vous savez, je suis bien accompagnée, heureusement. Moi, la première fois, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, waouh, une couverture noire, il faut le faire. Bon, après, les spécialistes du domaine savent que lorsqu'on aborde certains sujets, il y a des couleurs qui vont avec, notamment pour le cas, c'est le blanc, noir, rouge. Absolument. Donc, tout ce qui a été fait là a été fait justement par des experts du domaine. Je ne sais pas si ça vous a choqué. Moi, pas du tout. Quand j'ai vu le rendu, j'étais... pas choqué du tout. Ben, disons que ça attire véritablement l'attention. Je veux dire, ça rend extrêmement curieux. J'avoue que moi, je ne sais pas quels sont les qu'est-ce qui justifie justement ces choix, mais visiblement, il semble avoir une intelligence derrière. Absolument. Alors, je veux dire, quel était l'élément déclencheur pour vous de s'intéresser déjà à ces sujets-là, à ces scandales? Vous avez été choqué, vous avez eu un parent, peut-être, mêlé à... Un scandale, ou alors, qu'est-ce qui a été, comme je... C'est la débâcle des Lions de 2014. D'accord. Alors ça, certainement il y a eu d'autres scandales, certainement il y a eu d'autres cas plus graves, mais la débâcle des Lions a été vécue personnellement comme étant un vrai choc, à plusieurs titres. D'abord parce que je suis camerounaise, bien entendu. Absolument. L'émotion du foot. On était 32e sur 32. La Coupe du Monde, c'était comme si, enfin pas comme si on était les derniers de la classe. Mais surtout, les phénomènes qui se sont manifestés étaient des phénomènes qui avaient une résonance par rapport à ma discipline. Quand on voit deux joueurs de la même équipe, absolument, bagarrer, ça vraiment en gestion, c'est assez révélateur. Quand on voit le staff technique en conflit ouvert avec les joueurs, ça aussi c'est impressionnant pour les gens qui forment la même équipe. Et si vous avez suivi l'actualité, tout au moins que nous menons, c'est qu'après ça, nous avons créé ce qu'on appelait l'Observatoire managérial du football. À l'occasion d'ailleurs, nous avons organisé deux conférences. L'idée dans un premier temps était de dire, il y a certainement des coupables. Et je me souviens, à la première conférence, était quel devrait être le profil du président de l'Africa Foot. Parce que pour moi, le président de l'Africa Foot était la personne, ou tout au moins l'institution, qui devrait s'assurer qu'il y a... Une forme d'éthique. Il y a une éthique, il y a une cohésion au sein de l'équipe. Bref. Et ça, c'était la première conférence. La deuxième, il y a eu des sujets qui ont été abordés, notamment l'âge, le trafic de l'âge dans le monde du sport. Donc vraiment, c'était le déclencheur. D'accord. Et tout de suite, je me suis dit, on ne peut donc pas, si on voit un scandale comme celui-là, parce que retenons que le scandale a une vertu. C'est que le scandale révèle des dysfonctionnements, disons des fenêtres de vulnérabilité organisationnelle. Celui-là, par exemple, indiquait de manière claire, sauf à vouloir rester aveugle, qu'il y avait un problème de cohésion d'équipe. Qui avait un problème, je voulais dire, de conflit de compétences entre la FECAFOOT, entre le ministère, dans tous les cas, il y avait un problème. Et donc ce scandale était pour nous comme un alibi qui permettait justement de dire, est-ce qu'au-delà de l'émotion, nous pouvons nous asseoir et faire attention au scandale? À la limite, c'est comme si on se disait, le scandale nous parle en réalité. Absolument. Et ce qui est important de savoir, c'est quel est le message qu'il nous renvoie.
Alors l'objectif a au moins été dit, si nous focalisons essentiellement sur le sport, il faut dire que le sport également, c'est beaucoup d'émotions. Vous imaginez bien que ça allait rester très émotif. Il fallait donc voir dans le champ de la gestion et dans d'autres domaines, quels étaient les scandales qui étaient justement ceux assez médiatisés à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert le champ. Nous avons donc le scandale au niveau de la gouvernance des entreprises. Essayons de, je veux dire, on a choisi de les parcourir les uns après les autres, hein, parce qu'après on va essayer de faire... C'était ça le déclencheur. D'accord. Et puis après... Alors pour vous, bon déjà je reviens sur une question générale concernant tous les scandales que vous avez énumérés, les 11. Vous avez le sentiment que, du mois avant, la technique d'analyse était-elle la même ou alors à chaque scandale, vous avez adopté une approche? Alors déjà, il faut dire que le scandale est un objet de recherche en sens de gestion. D'accord. C'est déjà un objet de recherche pour plusieurs disciplines. En anthropologie, on utilise le scandale comme étant également un processus d'épuration. Parce que il faut déjà rappeler que lorsqu'on parle de scandale, c'est qu'il y a une transgression d'une norme. Il y a une transgression d'un standard ou alors d'une vertu. À la limite d'un élément qui constitue un consensus social, une convention. Et donc, après cette transgression-là, il y a des personnes qui s'indignent et qui, à la limite, décident de porter le scandale à l'intention du public, un peu comme pour recruter des alliés, pour que cette transgression ne soit pas du tout acceptée. C'est la raison pour laquelle le deuxième critère pour qu'il y ait scandale, c'est qu'il faut y ait médiatisation. Absolument. Puis, j'ai même envie de dire qu'il faut qu'il y ait scandalisation. Et troisième condition, il faut que les personnes ou la personne qui porte le scandale soit légitime. Et donc, de ce point de vue, on s'est dit finalement, comme objet de recherche, les autres disciplines s'en sont déjà saisies. En sciences de gestion, le scandale est également un objet de recherche qu'on peut analyser. Et bien entendu, il y a une démarche d'analyse de scandale que nous avons d'ailleurs emprunté à la sociologie, qui permet justement dans un premier temps de rappeler les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez que là, parfois, c'est le plus difficile, parce que Absolument. Quand les médias se mêlent, parfois, c'est par médias interposés également que les acteurs essayent de se justifier. Mais ce qui est intéressant, justement, dans la masse d'informations que nous avons pu collecter, 291 documents de presse, nous avons eu la chance d'avoir les déclarations des acteurs. Ça, c'est de l'ensemble des 11 scandales. L'ensemble des 11 scandales. Alors, et ça, c'était important. Donc, il faut d'abord savoir quels sont les faits. Et ensuite, après les faits, qui sont ceux qui sont concernés et quels sont les points de divergence? Parce qu'on va se rendre compte que le scandale forcément oppose d'abord ceux qui ont transgressé la loi à ceux qui revendiquent justement que la loi soit rétablie. Et de ce point de vue, il était question justement, après avoir dépouillé tous ces scandales, d'identifier les acteurs en présence, de voir quels sont leurs points de vue, quels sont les arguments avancés, mais surtout... Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les hommes, parce qu'à la limite, nous ne sommes pas là pour chercher le coupable ou alors continuer dans l'invective, mais c'est surtout de nous intéresser aux vulnérabilités organisationnelles que le scandale révèle. Et donc, nous avons pour les 11 scandales identifié également 11 théories de gestion qui nous permettent de comprendre quelle est la fragilité que l'organisation subit pour que le scandale apparaisse. Donc, voilà un peu la démarche qui a été retenue. Donc, 11 théories. 11 scandales qui permettent justement d'identifier cette vulnérabilité et de déboucher sur des réformes qui peuvent être envisagées. Puisqu'on va commencer par le mondial 2014, quelle était la théorie? Alors au mondial, c'est la cohésion de l'équipe. D'accord. Nous avons vu la bagarre entre les joueurs. Il faut même dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des problèmes au niveau des parties prenantes de cette équipe. Parce que même nous, les supporters, nous nous sommes mêlés, les médias se sont mêlés, c'était vraiment... Alors déjà, je rappelle juste Assou Ekoto et Mukandjo. Et Mukandjo, justement. Mais déjà, avant ça, il y avait un problème de prime. Donc, il y avait un conflit déjà entre les joueurs et le staff technique. Nous avons vu la sortie des Tofis, par exemple, sur les plateaux, etc. Donc, c'était un problème de cohésion d'équipe. La question était de savoir, lorsqu'on parle d'équipe, de quoi parlons-nous? Et de ce point de vue-là, tous les indicateurs, ou alors tous les éléments que le scandale révélait, c'était que ce n'était pas une équipe. Et nous avons vu par la suite, heureusement, les pouvoirs publics s'en sont saisis. Il y a eu un comité qui a été mis en place, il y a eu une enquête, il y a eu des gens qui sont partis, il y a surtout eu un décret. Et ça, c'était intéressant. Il y a eu un décret qui a permis justement de clarifier les rôles des différents acteurs. Parce que ce qui est en réalité inquiétant, ou alors qui était inquiétant dans ce scandale, c'est qu'on avait l'impression que les institutions même, les entreprises, les organisations publiques étaient chargées de résoudre certains problèmes, ne prenaient pas de décision. Ou alors elles-mêmes étaient partie prenante. Ou alors elles-mêmes étaient partie prenante. Ça posait quand même un problème. Et de ce point de vue, nous avons eu ce décret-là. Même si le décret ne résout pas tous les problèmes, parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a toujours quelques chevauchements au niveau des compétences. Mais au moins,
Ce scandale a révélé qu'il y avait un ensemble de problèmes, réglés justement dans un premier temps par la loi, réglés également par le départ de certaines personnes. Et puis certainement, il y a eu des leçons qui ont été tirées. Donc, la cohésion de l'équipe, à ce moment, posait problème. Si on prend le cas de Eto'o Fils et Bonny Philippe, pour rester dans le cadre. Parlant des chevauchements que le décret n'a pas pu définitivement résoudre, si on peut en avoir quelques-uns. Pour le mondial 2014. Non, il a été résolu en termes de répartition des rôles. Je dis dans la pratique, si on prend le cas des primes. Absolument. Parce que jusque-là, c'est la FECAFO qui devrait s'en occuper. Mais quand on dit les joueurs revendiquent les primes à l'État, bon, au niveau du discours, au moins, on peut se dire, OK. On veut la pratique peut-être. Alors l'affaire Bonny Philippe contre Samuel Eto'o Fils. Alors ça pose un problème du leadership de la FECAFOOT. Parce qu'au fond, il y a eu un problème de discipline, si on peut le dire ainsi. Conférence de presse, Eto'o, voilà. Bonny pose une question et puis Eto'o. Voilà. On finit par voir là. Non, mais disons qu'on aurait pu dire qu'en même temps, c'est la fin d'un cycle d'échanges, de piques, de personnes qui se connaissent. Voilà, ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est un scandale. Ça a été relayé. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé dans l'analyse de ce scandale, c'est qu'il y ait des conflits dans une équipe, c'est normal. L'organisation est un milieu de vie. À la limite, il peut y avoir des divergences de vue, il peut y avoir des conflits, mais ces conflits doivent être réglés. Et c'était le comportement de la FECAFOOT, le silence de la FECAFOOT, le silence du ministère des Sports. Et puis à un moment donné, le silence même des principales autorités qui devraient se prononcer. Et de ce point de vue, lorsqu'on parle de leadership, il était question de dire, vous avez un territoire organisationnel dont vous héritez lorsque vous êtes nommé ou élu. Vous avez la responsabilité, c'est un peu comme le Cameroun qui protège son territoire. Absolument. D'utiliser tous les moyens, pour qu'il n'y ait pas de violation de territoire, mais surtout pour que... il y a une sérénité. Okay. Et c'est pour la raison pour laquelle notre curiosité était de savoir finalement comment s'est comporté le leader en chef. Quelles sont les décisions qu'il a prises? Quand on voit un capitaine, puis tu le mets un joueur, à un moment donné, exercer un leadership d'un certain niveau, on se pose la question, mais finalement, s'il n'y a pas autant d'appointance, est-ce qu'il n'y a pas une fragilité du chef? Donc c'était ça un peu le questionnement, c'était le leadership de la FECAFOOT et notamment ici l'encadrement en termes de discipline. Ce qui relève, j'ai envie de dire, d'un béaba dans le cadre de l'organisation. La gouvernance à la Sodé Coton. Peut-être avoir la gouvernance, sauf si vous voulez qu'on parle. Non, je vous laisse. Non, allons-y. Bon, oui, j'aurais bien souhaité que la CAN, parce qu'avec la CAN, il y a tellement de relances qu'on pourrait faire, puisqu'il y a une CAN en 2021. Mais donc, je propose que la CAN 2019, qu'elle vienne un peu après. Alors, la gouvernance à la Sodé Coton. Alors, à la gouvernance de la Sodé Coton, on a été très facilité par les comptes rendus qui ont été faits par le contrôle supérieur de l'État. Parce qu'il faut dire que ces comptes rendus ont été faits. Ça, c'est sous l'air Iya Mohamed. Il y a Mohamed, il y a l'époque où le ministre Eyeba Issé était au contrôle supérieur de l'État. Donc, il y avait des comptes rendus, des travaux du CBF qui étaient relayés dans le Cameroun Tribune. Donc, nous avons eu un ensemble de faits. Ce qui préoccupe dans ce cas-là, comme également dans d'autres cas. Parce que l'importance de l'analyse des scandales, c'est qu'il faut éviter des scandales répétitifs de même nature. Absolument. Parce que dans tous les cas, les scandales coûtent cher à l'État. Les scandales coûtent cher à la mise en œuvre des politiques publiques. Parce que vous allez vous rendre compte, peut-être qu'on n'insiste pas assez, que lorsqu'on parle de scandale, en fait, d'un côté, nous avons une autorité publique, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées de mener une action publique. De l'autre côté, vous avez, disons, la société civile, les enseignants ou les personnes qui sont dans la société civile, qui sont un peu comme les garants de ce socle social et qui ont surtout des outils d'analyse qui permettent de détecter les failles de ces dirigeants-là et qui sont prêts, justement, si on parle de la société, qui est prête à dénoncer. Et cette fois-là, en utilisant le troisième acteur qui sont les médias, justement, à dénoncer. Donc, nous avons ces trois acteurs qui sont en scène. Et si on prend le cas, justement, de la Sodé Coton, comme on peut prendre le cas d'autres entreprises, la véritable question, c'est est-ce que le dispositif du contrôle du dirigeant est efficace? Parce que nous ne pouvons pas voir dans les entreprises, d'année en année, des dirigeants qui reçoivent les quitus du conseil d'administration, parfois avec des félicitations du conseil, relayées dans les médias, il faut le dire, parce que très souvent, nous suivons les communiqués au journal télévisé. Ou alors, 17h, comme on le dit 17 souvent. Donc, vous ne pouvez pas avoir un directeur général qui, tous les ans, reçoit le quitus de son conseil d'administration, et puis 5 ans après, 10 ans après, on l'arrête pour... Des fautes commises. Des fautes de gestion. Alors, la question dans ce cas a été de dire, au-delà de l'individu, est-ce que le dispositif de contrôle est un dispositif efficace?
Et la question reste entière. Moi, j'espère qu'on va pouvoir discuter un peu des solutions, parce qu'on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité, l'effectivité ou alors l'efficacité du conseil d'administration des établissements publics. Ce d'autant plus que depuis bientôt 10 ans, je crois qu'il y a une sonnette d'alarme qui essaie d'indiquer que plusieurs entreprises publiques sont contre-performantes. Et pourtant, il y a un dispositif de contrôle. On observe également, ça il faut le regretter, que tous les 5 ans à peu près, il y a une cohorte de hauts responsables qui va en prison. En réalité, au-delà de ce qu'on peut se prévaloir de la sanction qu'on exerce, on peut questionner le système ou tout au moins l'organisation qui est mise en place. À ce moment, ce ne sont plus les individus qui sont le problème. Parce qu'il ne s'agit pas là de la vertu ou alors de la probité des dirigeants, mais c'est de dire le dispositif doit avoir des failles qu'il faut aller corriger. Parce que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a possibilité que ça se passe comme ça. Au-delà d'arrêter des gens, puisqu'on a vu qu'on arrête peut-être sans résoudre pas le problème, il faut donc questionner le modèle de gouvernance qui est mis en place. J'ai envie d'aller plus loin pour demander, pour poser la question de savoir s'il ne faut même pas supprimer les conseils d'administration, s'il faut que 5 ans, 10 ans après, que ce qui est censé être contrôlé, malgré les quitus positifs, parce que je ne sais pas si vous avez déjà appris à l'issue d'un conseil d'administration que... Pas encore, enfin, du moins, pas à ma connaissance. Alors, puisqu'on est dans les entreprises, on va peut-être faire le chantier naval et industriel du Cameroun également. Alors, c'est la même problématique? Non, c'est pas la même problématique. Au chantier naval, c'était un problème de coordination administrative au sommet parce que nous connaissons un peu le problème. Il y a eu la nomination du directeur général qui n'a jamais pris fonction parce que l'un des actionnaires dit majorité en dehors du ministère des Finances estimait qu'il n'a pas été sollicité, du moins c'est ce qui a été relié. Et donc, le jour de l'installation, pas le directeur général installé. La déclaration du ministre, vous avez également suivi le ministre du transport de l'époque, qui estimait qu'il a procédé aux nominations. En plus, c'est vrai que c'était une nomination du conseil d'administration, mais c'était quand même avec l'aval de la présidence de la République. Donc se pose la question de savoir finalement au niveau de la coordination d'une entreprise publique composée d'actionnaires, on peut dire tous de l'État ou majoritaire de l'État, comment est-ce qu'on arrive à avoir une coordination à ce niveau pour que la décision prise soit une décision collégiale? Ça, ça posait quand même un problème. Je n'ai pas envie de dire si on était dans l'armée d'indiscipline, mais au moins, ça semblait dire effectivement qu'il y a un problème au niveau de la coordination administrative. Mais à ce moment-là, à quel niveau situez-vous la responsabilité de cette coordination administrative? Alors, vous posez une très bonne question. Je pense qu'en termes de responsabilité, si on prend une entreprise publique, et c'est un peu ça la difficulté qu'on a dans nos entreprises publiques, c'est que nous avons un modèle de gouvernance, modèle, parce qu'il faut dire qu'il y a une séparation théorique entre la direction et le contrôle. Ça veut donc dire que les actionnaires, disons l'État, à travers justement ces démembrements, désigne un directeur général. Et a priori, on estime qu'il ne devrait pas avoir d'ingérence pendant la gestion. Et à un moment donné, on contrôle dans les résultats du gestionnaire. Ça, c'est ce qui est au moins en termes de modèle. Malheureusement, on se rend compte que ce modèle, dans les hypothèses que nous venons d'évoquer, ne fonctionne pas toujours comme ça. Il y a toujours une sorte de présence très, très proche de la hiérarchie. Absolument. Hiérarchie très souvent ministérielle. Hein. Voilà. Il faut le dire. Parfois à tous les niveaux. Et quand on se pose la question, quand on prend une entreprise publique, il y a le premier niveau de responsabilité, c'est le conseil d'administration. Mm-hmm. Parce que si vous lisez le premier article du décret qui crée l'entreprise publique, on dit que c'est une entreprise qui a une autonomie financière une autonomie financière. Et de ce point de vue, première hiérarchie, c'est le conseil d'administration. Au-delà, quand même, nous avons la hiérarchie suprême, parce que la personne qui nomme les hauts dirigeants de cette entreprise, c'est le président de la République, disons. Absolument. La présidence de la République. Mais nous avons également la tutelle technique et la tutelle financière, qui assume également un contrôle pour la tutelle technique. Un contrôle technique, en ce sens que l'entreprise publique, c'est le bras séculier au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, il y a une sorte de contrôle et de regard que la tutelle a également sur l'organisation. Et en ce qui concerne le ministère des Finances, c'est le contrôle justement des ressources financières mises à disposition. Mais à côté de ces trois acteurs, c'est-à-dire la présidence, la tutelle technique et la tutelle financière. C'est-à-dire nous avons la présidence, nous avons les tutelles, nous avons le conseil d'administration et maintenant nous avons la direction générale. Donc à côté, nous avons l'État qui met en place un ensemble d'acteurs, notamment les administrations dont les missions pourraient avoir un lien avec la structure. Et ces acteurs sont également chargés de contrôler l'action du dirigeant. Bon, ça c'est un commentaire que j'aimerais quand même avoir. Et il arrive souvent également des cas où la tutelle ministérielle assume aussi le...
la présidence du conseil d'administration. C'est un dédoublement fonctionnel un peu incestueux. Je pourrais m'arrêter là, mais je crois qu'on se comprend parce que il faut dire qu'il y a une évolution dans la loi, c'est vrai. Dans la loi de 99 qui régissait justement le fonctionnement des organisations publiques, il était prévu qu'un ministre ne soit pas PCA. Absolument. Même si ça avait souvent été le cas. Mais ce qui était davantage intéressant, c'était qu'il y avait une disposition dans cette loi qui disait que chaque fois qu'une résolution est prise au conseil d'administration, la tutelle a 15 jours pour se prononcer sur cette résolution. Donc vous imaginez donc que dans un premier temps, vous êtes présent au conseil d'administration, vous prenez des résolutions. Absolument. Ensuite, vous allez dans votre bureau, vous redevenez tutelle. Et vous avez 15 jours pour vous valider. Pour valider. Bon, ce verrou a été levé dans la loi de 2017. Ça veut donc dire que les décisions, les résolutions du conseil sont d'application immédiate. Il n'y a plus de période de validation. Donc maintenant, vous êtes PCA et tutelle en même temps. Vous décidez et puis vous agissez. Ça, c'est ce qui est prévu pour la loi de 2017. Mais je veux dire, de votre expertise, ça pose forcément problème que la tutelle soit également à la présidence du conseil d'administration. Tout dépend, vous savez, tout dépend de l'objectif qu'on vise. Alors, si l'objectif, c'est à un moment donné de réduire les ressources, on devrait avoir une disposition qui pourrait dire qu'il n'y a pas de dédoublement d'avantages. Si l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence parfaite entre les politiques publiques et les actionnaires et les actions qui sont menées dans l'entreprise, est-ce que le fait qu'on ait forcément la tutelle résout le problème? J'ai même envie de dire, pour nuancer, pour dire effectivement qu'il n'y a peut-être pas de panacée, qu'on a vu des cas, et quand je vais évoquer ces cas-là, vous saurez certainement de qui je parle. Vous avez la même personne qui est président du conseil d'administration, la CIMENCAM, président du conseil d'administration de la SICAM, membre du conseil d'administration de la CSPH, chargé de mission à la présidence de la République. Absolument. Bref, ce dédoublement fonctionnel, la question qu'on peut se poser, c'est plutôt de savoir, en termes d'efficacité, qu'est-ce que ça apporte. Si c'est efficace, tant mieux. Mais si ce n'est pas efficace, il faut certainement réfléchir à un autre modèle. Juste pour dire qu'il n'y a pas de panacée en tant que tel. Mais si ça ne marche pas, il faut convenir de ce que ça ne marche pas et voir certainement comment... Bon, les profondes peuvent également s'interroger sur le rôle même d'un président de conseil d'administration. Si c'est finalement un poste garage, comme on a l'impression... Certains estiment même que c'est un poste de rente, parce que vous savez être président... Oui, mais je veux dire, oui, garage dans le sens de la rente. En réalité, on vous installe là-bas pour profiter peut-être des... Non, c'est une perception erronée, moi, je pense. C'est une perception erronée quand on se concentre, effectivement, sur le travail qu'il a à faire. Maintenant, c'est une perception qui peut se justifier quand on voit les résultats qui sont produits et surtout la pérennité de ces mauvais résultats. Je pense que c'est davantage de ce point de vue-là. Parce que quand ça marche bien, on se rend quand même compte qu'il y a du travail qui est fait. Être président d'un conseil d'administration d'une entreprise publique, encore avec la loi de 2017, parce que vous savez, désormais, ce conseil d'administration dans les entreprises publiques sont ces conseils qui sont les autorités de marché. Ça fait une masse de travail importante. Et c'est la raison pour laquelle être président du conseil d'administration en termes de profil, ça ne pourrait pas être simplement une récompense ou bien un processus de rente comme on peut l'imaginer. Toujours est-il que si c'est le cas, les résultats se voient tout de suite, les contre-performances sont également visibles. Venons-en au scandale des logements sociaux. Alors, le scandale des logements sociaux, je crois que nous avons tous suivi l'actualité. D'abord, la grande annonce du président de la République. 10 000 logements à l'horizon, point, point, point. Voilà. Et moi, je pense que vous comme moi, nous, au petit salaire, nous étions quand même quelque peu intéressés par ce projet. Et bien d'autres également. Alors, ce qui était la déception, si on peut dire ainsi, de certains, c'est que lorsque certains logements, parce qu'il faut dire qu'il y en a quelques-uns qui ont été achevés, c'est le prix justement affiché et surtout les modalités de paiement. Absolument. Alors, lorsqu'on a suivi la communication du ministre de l'Urbanisme et des Dépôts qui disait, bon, c'est peut-être pas des logements sociaux, c'est peut-être des logements conventionnés. Il y a une sorte de glissement sémantique qui interpellait quand même et qui disait finalement qui sont les cibles. Et tout le débat était de dire finalement c'est quoi un logement social. Et même le ministre qui a dit le logement social ne veut pas dire le logement à bas prix. À bas prix, voilà. Il y a eu tout ce débat. Voilà. Il y a eu tout ce débat. Parce que finalement, qui a pu avoir accès à ces logements sociaux? D'abord, il fallait payer cash. Absolument. Et ensuite, à des prix très élevés, je pense que le prix le plus bas c'était entre 20 millions et 23 millions. On s'est rendu compte que la diaspora a pu se servir, mais également les gens qui ont un niveau de revenu assez important. Et finalement,
Logement pour sociaux, pour logement sociaux, la question qu'on pouvait se poser, c'est à qui était adressée finalement cette réforme qui était annoncée par le président de la République et dont les termes semblaient relativement clairs en termes de cible. Alors ce qui nous intéressait dans ce scandale, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la théorie de l'hypocrisie organisationnelle, non seulement pour revoir le discours, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a un discours qui a été finalement diffusé, qui soit proche de la vérité, en ce sens que, ok, c'est pas des logements à bas prix. Absolument. Mais c'est quand même des logements qui sont suivants. Ça veut dire que l'État, en termes de prix de revient, a quand même mis également de l'argent. Donc, ce glissement sémantique et surtout la promesse qui a été faite par la suite de dire non, non, il y a des logements sociaux, je crois qu'on en attend encore. Et j'étais à Garoua récemment, j'en ai vu qui sont encore en construction et pourtant qui devaient être achevés depuis des années. Donc, c'est un scandale qui a été fortement relayé par les médias. Et ce scandale a attiré notre attention. Et la théorie qui nous permettait de lire justement ce qui s'est passé, c'est la théorie de l'hypocrisie organisationnelle. L'idée était de dire finalement comment s'est comporté le gestionnaire, quels sont les mots qu'il a utilisés et quel est le glissement sémantique justement que cette théorie permet de comprendre et voir pourquoi est-ce que finalement les gens ont été déçus. Parce que. Donc, à mesure que vous égrenez ces scandales, vous ne vous dites pas. C'est pensé, c'est voulu, je dis que ce n'est pas un modèle de gouvernance, c'est pas un mode de gouvernance. Non, je ne pense pas. Les scandales ne sont pas un privilège camerounais. Hein. Il y a des scandales partout. L'avantage, c'est qu'après chaque scandale, dans certains cas, il faudrait que les réformes suivent. Quand un scandale survient, c'est comme un dysfonctionnement. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. C'était ça la préoccupation. C'était de dire, finalement, si on prend le cas du scandale de l'Éric, est-ce qu'on peut justement tirer avantage de ce scandale pour éviter les scandales dans d'autres concours? Et donc, au-delà du problème qui est résolu ad hoc, est-ce que finalement l'organisation ne présentait pas des failles qui pouvaient permettre de questionner en fait le dispositif? C'est le cas également par exemple pour l'élection à la SOCAM. C'est que lorsqu'on voit le processus qui a été mis en place et tout le débat qui a sur la double nationalité, est-ce que ce scandale-là ne permettait pas de remettre sur la table certaines problématiques qui, pour lesquelles les scandales semblaient être simplement des alibis? L'idée ici étant de dire, lorsqu'on analyse le scandale comme objet de recherche, laissons à la justice le privilège de la recherche du coupable, laissons également aux médias le privilège des commentaires, mais en ce qui concerne le gestionnaire que moi je suis, c'est de dire les failles qui sont détectées indique effectivement qu'il faut mettre en place un dispositif de gestion de crise. Il faut mettre en place des réformes qui permettent justement d'éviter que des scandales de même nature ne se reproduisent. Parce que dans tous les cas, les scandales, il y en aura toujours. Absolument. Il y en aura. Mais si cette régulation n'est pas mise en place, il peut arriver que les scandales ne servent qu'à l'indignation, à la raillerie ou à l'invective. Et l'administration publique, dans tous les cas, nous sommes tous de passage. Nous devons donc nous organiser pour laisser des institutions solides. Et moi, je pense que c'est la question qu'il faudrait davantage. J'en avais parlé, l'IRIC et la SOCAM. À l'IRIC, quelle était la théorie? Alors, à l'IRIC, c'était tout le débat sur l'équilibre régional. Le débat sur l'équilibre régional, parce que nous avons eu trois listes, vous avez suivi l'actualité. Et d'abord la première, ensuite la deuxième, qui était différente de la première, et heureusement la troisième qui agrégeait tous les intérêts des deux premières Absolument. Listes. Donc, au-delà, qui est venu corriger les imperfections après le scandale d'ailleurs. Alors, ce qui nous a intéressé, c'était de suivre les discours qui sont avancés par les acteurs concernés. Et justement, tout le débat de l'équilibre régional s'était donc posé. Et lorsqu'on parle d'équilibre régional, ça c'est un outil que nous avons retenu au Cameroun. Mais au fond, en gestion, il s'agit de la gestion de la diversité. Donc, il y a toute une théorie, bien des théories qui permettent de gérer la diversité dans les organisations. Et il était donc question de prendre cette théorie-là pour voir est-ce que l'équilibre régional comme outil de gestion de la diversité présentait des failles. Est-ce qu'on pouvait, à la longue justement de cette théorie, soit améliorer, soit critiquer, soit rejeter même l'outil. Donc c'était ça un peu le débat. Je ne vais certainement pas dévoiler la réponse pour que les gens... Absolument, allez, cherchez le livre. J'avoue que j'avais la question sur... Je ne vous dirai pas, mais c'était ça le débat. Okay. C'était finalement, les organisations internationales utilisent ça, les organisations régionales utilisent la gestion de la diversité en termes de rotation. Là-bas, c'est peut-être la rotation, c'est les sièges par pays, mais ça permet de gérer la diversité. Au Cameroun, c'est l'équilibre régional à travers justement les quotas par région, qui s'appuie certainement sur le niveau de développement des régions, j'imagine, ou alors sur la population. Mais toujours est-il que c'est un outil qui est mis en place. Et donc, il était question de voir justement cet outil de gestion de la diversité, pour voir comment est-ce qu'on peut mobiliser les variables. Mais ce qui était important, c'est que en ce qui concerne l'équilibre régional, au-delà de la rotation, il y avait quand même un principe de méritocratie. Et donc, il était question de voir au-delà
de cette diversité, si on questionne l'idée de la méritocratie, comment est-ce que les autres ont fait? Le problème, vous savez, c'est passé en France, c'est posé en France avec l'ENA, qui à un moment donné était accusé de reproduire les classes sociales, et vous avez vu émerger les classes de prépa. Donc la question était de dire équilibre régional pour équilibre régional. Si en plus la méritocratie est une variable importante, est-ce qu'en plus de cela, on ne pourrait pas avoir un autre dispositif qui accompagne l'équilibre régional? Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des personnes compétentes dans l'administration publique camerounaise. Donc je ne vais pas vous dévoiler le résultat. Bah oui, je vous l'avais dit. Bah, je veux dire qu'en interrogeant quand même le cas de l'IRIC, vous avez certainement remis au centre du débat la pertinence même du choix de l'équilibre régional. Je présume, hein. Bien sûr. Quelle en a été la conclusion? Non, je ne vous donnais pas la conclusion. La question était la question était de savoir, et vous faites bien de le dire, parce que pour l'instant, ce qui est légiféré au niveau de l'équilibre régional, parce qu'il y a certains pays qui ont légiféré justement leur gestion de diversité, c'est le cas du Cameroun, et uniquement pour les concours d'entrée à la fonction publique. Et lorsqu'on parle de fonction publique, en fait, c'est plusieurs secteurs. Et lorsqu'on voit le cas de l'IRIC, il y a des secteurs, je peux dire, de souveraineté. Je n'ai pas envie de dire que lorsqu'on voit également les facultés de médecine, c'est quand même la santé. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a des secteurs qui devraient être négligés en termes d'équilibre. Mais il y a des secteurs quand même en termes de questionnement hein, qui pourraient faire l'objet également d'une souveraineté assez particulière. C'était un peu également les débats à mettre à l'ordre du jour. Étant entendu que l'équilibre régional avec pour ambition la participation de tous à la création et la répartition de la richesse est un principe louable. Dans tous les cas, c'est un principe de gestion. Mais c'est la modalité. Parce qu'au fond, si vous voulez qu'on avance un peu, parce que finalement, on va dévoiler. Au fond, la question qu'on se posait, c'est que est-ce que finalement, même ce principe d'équilibre régional ne crée pas des discriminations au sein des régions? Parce que région pour région, il y a des questions de savoir qui est-ce qu'on va chercher dans les régions. Est-ce que finalement, les crises sociales que nous vivons ne peuvent pas également être, en termes d'écho, une interpellation en termes de gestion de la diversité? Donc c'est autant de questions qui sont abordées justement dans ce chapitre. Les élections à la SOCAM. Alors les élections à la SOCAM, nous avons suivi malheureusement le scandale après un processus électoral validé, encadré par le ministère de la Culture. Nous avons un vainqueur, président, Didier Yango, qui est installé, je ne sais pas, bon, quand il est installé, dans tous les cas, qui prend fonction puisqu'il est élu. Mais quelques temps après, on dit qu'il est déchu parce que dans tous les cas, il n'est pas camerounais. Sauf que le processus électoral est terminé. Si ça avait été une condition, forcément... Il aurait été recalé à la candidature. Voilà, à la candidature. On se pose la question de savoir comment le processus a pu arriver à terme sans que cette question nous soit posée. Alors, cette préoccupation, nous ne sommes pas intéressés au processus. Ce que nous avons davantage questionné, c'est justement la préoccupation de l'équilibre, de la double nationalité pour certains postes. On s'est dit finalement, lorsqu'on apprécie la question de la double nationalité, il n'y a pas de double nationalité au Cameroun, mais il y a des postes qui peuvent être occupés par des étrangers, parfois par des Camerounais. Dans les textes, visiblement au niveau de la SOCAM, ça semblait être clair, c'était un poste occupé par un Camerounais. J'ai envie de dire Camerounais qui n'est pas changé, parce que celui va vous dire les Camerounais d'origine, mais dans tous les cas, il a perdu la nationalité. Et cette question était une question importante, déjà pour le cas de la SOCAM, mais également pour d'autres secteurs. Sur d'autant plus que vous allez voir dans l'ouvrage, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un journal, c'est un média semblait indexer certaines personnes de ne pas être Camerounais, mais d'occuper des postes importants. Donc c'était comme une gestion de la double nationalité à plusieurs vitesses. La question était de savoir, finalement, est-ce qu'il y a des postes de souveraineté? Et quand nous avons analysé les textes de la SOCAM, c'était clair. C'est un texte également. Mais dans tous les cas, le principe, c'est que la double nationalité n'est pas acquise. Au Cameroun, vous la perdez, vous avez la nationalité camerounaise, vous ne l'avez pas, sauf pour les femmes, heureusement, pour une fois. Les femmes sont positivement discriminées. Ce sont les femmes qui peuvent garder leur nationalité en cas mari, absolument voilà. À l'étranger. Alors, et de ce point de vue, il était question de voir finalement en gestion. Qu'est-ce que ça apporte? La valeur ajoutée. C'est vrai que en politique, ça peut avoir un apport important. Ça peut indiquer également. Et maintenant, dans le même pays, il y a des postes certainement où c'est une variable qui ne semble pas poser problème. Et d'autres. Donc c'était un peu ça le débat. Et mettre donc finalement au cœur du débat toutes les préoccupations de migration qui poussent des gens à prendre la double nationalité et qui, à un moment donné, peut hypothéquer
effectivement leur retour pour diverses raisons. Vous avez certainement fait le parallèle avec le football où vous la avez question... tous imaginé. Le football, bien entendu, et vous imaginez qu'on ne pouvait ne pas faire de parallèle avec le football. Ça semblait évident. Et certaines entreprises, d'ailleurs, que ça a été en cité. Enfin, c'est vous qui le dites. L'élection des délégués du personnel à la CNPS. Alors, ça, c'était... Par contre, alors c'est vrai qu'après échange avec les responsables à CNPS, ce que je n'ai pas dit, ou alors je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'après avoir dépouillé les papiers de presse, nous avons rencontré les responsables, ou alors les acteurs de certains scandales. Et donc à la CNPS, nous avons rencontré le directeur général. Merci d'ailleurs d'avoir accepté de travailler avec nous. Donc nous avons travaillé avec sa cellule juridique. Nous avons rencontré également la tutelle qui était concernée. Alors ce qui était intéressant dans ce scandale, qui au fond, cet homme m'a posé la question, est-ce que c'était vraiment un scandale? En fait, il y avait une divergence de vue, mais ça a été fortement relayé, etc. Mais c'était en fait, en termes d'analyse, ce qui nous intéressait, c'était pas tant le problème. Parce que je vous ai dit, en fait, le scandale nous donne un prétexte. Absolument, pour poser une question. Une question de vulnérabilité organisationnelle. C'est que pourquoi ça se passe? Et ce qui nous a intéressé, c'était d'analyser la relation tutélaire entre justement le ministère du Travail et puis le directeur général de la CNPS, à l'aune justement de la relation tutélaire, j'ai envie de dire à l'aune de la relation d'agence, qu'il est justement le ministre. Et donc c'était un peu ça la préoccupation, c'était de dire finalement, dans la résolution de ce problème, ou alors les interférences de ce problème, est-ce que la théorie de l'agence, la relation de l'agence était convenablement appliquée parce que la tutelle est la personne qui a su effectivement, qui est le principal, et l'autre l'agent. Absolument. Est-ce qu'on a respecté tous les principes qui devaient être respectés pour que le scandale soit maîtrisé, ou alors qu'il n'y ait pas beaucoup d'ingérence? C'était un peu ça l'analyse. Et comme pour les autres également, c'est bien détaillé. J'ai envie d'aller plus loin pour dire que le responsable juridique de la CNPS m'a dit, mais madame, il n'y a pas de scandale, il y a juste une violation de la loi de la part des délégués du personnel. Okay. Et à moi de lui dire, effectivement, c'est peut-être vrai, mais sauf qu'en tant que responsable, vous avez l'obligation de vous assurer que tout le monde a la bonne information. Absolument. Bon, maintenant, il faut dire qu'il y a aussi des jeux d'acteurs. Mais à ce niveau, vous dites quoi? Que le scandale, je veux dire, dans votre schéma de travail d'analyse, vous dites finalement, parce que vous avez défini trois éléments pour qu'il y ait un scandale. Tout à fait. Et une priorisation dans... La première, c'est la transgression du norme. D'accord. S'il n'y a pas de transgression, parce que qu'elle soit petite ou grande, okay, dans tous les cas, c'est ce qui donne de la matière. Mais en fait, ce qui m'a suscité la réaction pour ce qu'a la CNPS, vous dites c'est la presse. Je veux dire qu'il y a eu un chamboulement dans les priorités d'analyse. Non, en fait, c'est la presse qui déclenche le scandale. En fait, d'accord. Tant que parce qu'il y a des scandales qui sont étouffés. Hein. Okay. Donc, tant que la presse ne révèle pas, personne ne saura qu'il y a un scandale. Donc, l'un des éléments, ou alors l'un des critères de définition du scandale, c'est la médiatisation. S'il n'y a pas médiatisation, il n'y a pas scandale. Et j'ai envie de dire également que la presse, et c'est pour cela que vous êtes de plus en plus convoité, j'imagine, la presse relaie souvent aussi les transgressions. Et la préoccupation est de dire, petite ou grande, peu importe, dès qu'il y a transgression, il y a matière à médiatisation. Et les acteurs légitimes qui pensent que cette transgression ne doit pas perdurer vont donc mettre des moyens. Nous avons, l'ouvrage commence même par le scandale du livre scolaire. Absolument. Vous avez vu comment le professeur vous doit se déployer dans les médias. Vous l'avez reçu. Absolument. Ici, parce que pour lui, la marchandisation du livre n'était pas quelque chose de... Et surtout, la loi était violée. Il fallait prendre les médias à témoin. Et c'est à cela que le scandale devient un scandale. Les autorités s'en sont saisies. L'Assemblée nationale en a parlé. On a vu comment est-ce que les alliés... Et puis finalement, on a repoussé ce comportement qui tendait à violer la loi, et surtout on a mis en place un ensemble de réformes. Et en fait, c'est ça le bon usage du scandale. Et l'objectif de cet ouvrage, qui de mon point de vue, j'aimerais qu'il soit vu ainsi, est essentiellement didactique, vise justement à repousser tout ce qui peut être considéré comme des transgressions d'un consensus. Mais dites-vous bien que vous avez jeté la bouteille à la mer, la destination... De qui? Vous avez jeté la bouteille à la... Donc, chacun va s'en faire. Non, en réalité, ne donnons pas l'impression qu'il s'agit des autres, même de vous, même de Absolument. Moi. C'est-à-dire que le jour où je suis témoin d'une transgression,
si j'ai la légitimité de venir et puis d'en parler et dire que non, moi je ne veux pas que ça se passe ainsi. Et puis finalement, vous allez voir les syndicats se mêler, vous allez... Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je pense que c'est peut-être une alerte pour nous les gestionnaires parce que sera difficile de plus en plus de dissimuler. Et ce qui est important à un moment donné, c'est de respecter les standards, c'est de respecter les consensus, de respecter également des contrats sociaux. Sinon, dans tous les cas, les garants de ces contrats, qui sont les universitaires, les étudiants de la société civile, dans tous les cas, vont dénoncer. Et la presse, pour se faire vendre, pour vendre, mais surtout également pour servir d'allié, va également être sollicitée pour protéger ses vertus. L'affaire Bapes et la cascade de décès des personnalités publiques dans les prisons. Alors,